Bonjour à tous. Aujourd'hui, Nathalie, et puis Véro aussi quand elle va revenir, j'aimerais bien qu'on aille voir le pétrole. Qu'est-ce qu'il te vient? Je vois du pétrole. Ouais, en fait, bon, je vais préciser ma question. Je voudrais savoir si le pétrole qui est dans les sous-sols, est-ce que c'est le même qu'on nous vend dans les stations-service après l'avoir raffiné? Ben, celui qui est raffiné, en tout cas, il est puisé dans le sous-sol. Si c'est ça ta question, moi je le vois Oui. dans les forages et on puise. Oui, on puise, je vois les forages et on. C'est pas synthétique, c'est enfin c'est puisé dans la terre. C'est vraiment puisé dans la terre. Et donc ils en prennent vraiment des quantités dingues. Donc ça doit faire des trous. Oui, mais la terre en fabrique tout le temps, alors. La Ça terre en refabrique. peut. Moi, je vois, c'est. Bon, je pourrais dire. Je vois que ça sort et c'est comme si ça continuait à arriver. Donc. Ça. C'est comme si, effectivement, par endroit, ça peut créer des trous. Oui, comme des trous. Genre, on a vidé la zone, peut-être, si on puise trop vite. Mais en fait, il y en a tellement que. Donc on va pas tomber en panne de ça, en tout cas. Bah, moi, je vois le C'est une... pétrole. C'est énorme ce qu'il y a en fait partout. D'accord. C'est comme si je voyais des mers d'eau, en fait. Tu vois, je vois des mares de pétrole, en fait. Et il est utilisé que pour faire des... Enfin, que pour faire de l'essence pour nous, ou il est utilisé aussi pour plein d'autres trucs? Des plastiques, des trucs comme ça. Ouais, non, c'est pas que l'essence. On va dire que le carburant, c'est. Enfin, je vois que c'est quand même. C'est comme si je vois un gros tuyau, c'est pour le carburant, c'est quand même. Ça me semble être le plus important, hein, quand même, vraiment. Parce Ok. que je vois les avions, je vois les paquebots, les. Enfin, une grosse utilisation qui est faite, quoi. Ok. Et dans les... Quand tu regardes quand tu te branches sur un avion, est-ce qu'ils mettent aussi du pétrole dedans? Après l'avoir raffiné, bien sûr, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'ils mettent dedans? Ben, on l'entend, oui. Parce que en fait, c'est énorme le poids que ça devrait peser, ça, en fait. Ben non, parce qu'une fois raffiné, ben c'est comme si tu prends le carburant que tu mets dans ta voiture, il va flotter au-dessus de l'eau, hein. OK. Donc c'est énorme, mais ben, enfin, je sais pas, je vois ta question. C'est comme si tu me disais, est-ce qu'on peut remplir de bagages le coffre du 4x4? Ben, le 4x4, il est fait en conséquence. C'est moi, genre, c'est D'accord. ça. C'est fait en conséquence. C'est. D'accord, bah moi j'avais pensé qu'il mettait autre chose que du carburant dedans, en fait, dans les avions. Ben, si c'est le cas, j'ai pas l'info en tout cas. Ok. Ok, ben, est-ce que tu as autre chose à nous dire sur le pétrole? Ben, il y a beaucoup de mensonges. C'est un sujet entouré de mensonges. Je vois le mot mensonge partout. Mensonge, 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 mensonge. C'est comme si des puits de pétrole sortaient des étiquettes. C'est comme des petits panneaux qui sortent comme ça. Mensonge, mensonge, mensonge. Raconte que des mensonges. OK.
On nous Et raconte des... mensonge à propos, tu peux creuser le genre de mensonge? Bah sur l'emploi du vocabulaire que tu vois, le fossile, je vois le fossile, moi je vois des fossiles en pierre, tu sais, genre des trucs comme archéologiques, que tu vas là, hop, j'ai trouvé des fossiles. Et moi, ce que j'observe, c'est que ce mot-là ne va pas avec le mot pétrole. C'est incorrect. OK. C'est comme l'eau. Quelque sorte. C'est comme si tu disais que l'eau, c'était fossile. D'accord. Et comme c'est la terre à... Moi, j'ai envie de faire comme un parallèle, quand j'observe, avec le terreau qui est fabriqué dans la forêt. Tu vois, c'est dans la forêt, si tu vois naturellement, il y a une sorte de terreau, en fait, dans la forêt, Oui. qui est la composition des feuilles qui tombent des arbres, et puis, je sais pas, des aiguilles de pin, des fruits des arbres, tout ça, c'est un mélange de tout ça, des restes d'écorce, et il y a, je vois tous les petits, la vie, à savoir, je sais pas, des vers, des insectes, des tas d'animaux qui vont faire un travail là-dedans. Et du coup, à chaque saison, chaque fois que les feuilles tombent, chaque fois que le terreau, tu peux aller en chercher au même endroit, en prendre, et il va se refaire de ce que je vois assez rapidement. Oui. Ben, moi, je ferais un parallèle avec le pétrole. C'est D'accord. Du même acabit, mais c'est dans la terre. Enfin, c'est en... C'est comme si c'était une transformation je sais pas de quoi, ben, comme le terreau. Moi, je sais pas, je fais un parallèle avec le terreau de ce que j'observe. C'est D'accord. le même genre de... Sauf que c'est sous terre. C'est dans la terre. Du coup... Le mot fossile, manipulation, quoi. Manipulation. Mensonge, manipulation. Ça peut... C'est le seul mensonge? Sur le pétrole, Oui. moi, je fais un parallèle avec l'eau, à savoir que pour pouvoir vendre quelque chose, le Oui. commercialiser, et se faire de l'argent sur le dos des gens, ben on va dire qu'on est propriétaire de l'eau. Et personne n'est propriétaire de l'eau. À la limite, tu vois, tu as une source, ben qu'est-ce qui t'empêche de prendre l'eau de ta source? Ben finalement, l'eau, c'est ça. Ça sort de partout. Alors, OK, on l'a polluée, mais sinon, je vois, ça sort de partout. Et c'est à tout le monde, en quelque sorte. Ben, Oui. je trouve que le pétrole, c'est le même genre. Mais... Comme on est maintenu en esclavage, il faut nous faire croire à... Ben, on emploie des mots comme fossile, rare. Tu vois, c'est tout un vocabulaire qui... Et du coup, plein de gens croient ça. D'accord. Du coup, ça justifie un coup. Puis après, il y a aussi l'histoire de la pollution. Ouais. La pollution, c'est pareil, c'est volontairement aggravé en fait. Parce que là, je vois en parallèle, je vois, tu vois, des batteries, et du coup, la batterie, elle est ouverte, et c'est comme si je voyais tous les ingrédients qui sont dans la batterie, donc pour faire fonctionner un véhicule électrique. Ah Et autant, je peux plonger ma main, je sens que je peux plonger ma main dans le pétrole, je peux plonger ma oui. main. Alors, ça va peut-être créer peut-être quelques irritations, mais je sens que je peux. Je ne peux pas plonger ma main dans la batterie. Je sens que D'accord. c'est pas possible. Il y a quelque chose qui me dit, il y a tous mes warnings qui, voilà. Donc,
Donc c'est comme si on avait décrété, on décrète des choses pour pouvoir vendre plus cher, pour pouvoir nous détourner, pour pouvoir nous vendre autre chose. Ouais, c'est. Mais comme l'eau, hein. Je trouve qu'il y a le même type de, ouais, le même type de manipulation que l'eau. Que ce soit l'eau que tu as via ton robinet ou en fait. Tu vois, même l'eau, je vois même que on te balance des. On s'appelle des. Je vois des tableaux qui arrivent, tu vois, comme si tu recevais des tableaux qui te disent que ton eau, voilà, elle a été testée, peut-être. Et ben là, je vois le mensonge aussi. Le mot mensonge qui est comme si sous la feuille, il apparaît. Et plus je regarde, plus ça fait comme un buvard, comme si la feuille où il y a écrit tous les tableaux avec les tests, eh ben, il y avait du mensonge aussi. À savoir que, est-ce que ça veut dire qu'on ne nous dit pas tout? Est-ce que ça veut dire que quand on nous dit que c'est tout conforme, c'est faux? Ben, je ne sais pas trop. Tout ça, c'est teinté de mensonge. Ben dis donc. Ben voilà quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'autre sur le pétrole? Ben, les mensonges. Ben mensonge, C'est voilà. vraiment le mot mensonge qui voilà, comme je vois, comme je te disais, des petits panneaux qui sortent, tu sais, sur des petits piquets en bois là, et pouf, mensonge, pouf, mensonge. Et alors, ça veut pas dire que, tu vois, parce que je vois quand ils exploitent quand ils exploitent, ça ne veut pas dire que ça ne va pas polluer, puisque Oui, bien à sûr. la limite, c'est comme si tu disais, je vais aller chercher du terreau dans la forêt. Si ensuite tu poses ton terreau sur de l'eau, évidemment que ça va salir l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, voilà, Oui. le côté glu, là, c'est ça se colle une fois que c'est extrait. C'est ce côté-là, c'est comme du miel. Enfin, tu vois, Oui. il y a un côté, voilà. Mélasse ou. Mais que. Oui, non. C'est un moyen de se faire beaucoup d'argent. C'est un moyen de se faire beaucoup d'argent. Et Parce que. quand tu vois les accidents qui se passent dans la mer, des fois, ça fait autant de dégâts qu'on le dit. Bon, mais bien sûr, les animaux et tout, ça c'est sûr. Mais est-ce que ça fait quand même autant de dégâts qu'on le dit? Pour moi, le pétrole brut en lui-même, je ne trouve pas que ça fasse autant de dégâts qu'on dit. Le problème, en fait, c'est là où il se pose. Moi, j'ai envie de dire, comme le miel, en fait. Si tu te mets à balancer du miel. Sur des rochers, sur du sable, sur. À premier abord, il va pas tout de suite se diluer, quoi. C'est très long. Ah oui, c'est pas. Donc. D'accord. Mais là aussi, je vois le mot mensonge qui apparaît, hein. Ben oui. Donc, les poches dans lesquelles il est. En fait, si tu veux, si tu t'enfonces dans la terre, tu peux trouver des rivières souterraines, tu peux trouver des failles, tu peux trouver des poches de gaz, tu peux trouver des poches d'air, tu peux trouver des poches de pétrole. Et je vois d'autres choses, en fait, de substances que je ne sais pas dire ce que c'est. D'accord. Est-ce que c'est des formes de glaise? Je ne sais pas, j'avoue. Mais du magma aussi, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Donc, forcément que quand ça sort de son récipient, eh bien, mais oui, c'est comme, je sais pas, oui, ça va, le mélange avec ce dans quoi tu le mets, c'est pas forcément adéquat. C'est ça que je vois. Oui, d'accord. Oui.
savoir, ben oui, ça va créer. D'accord. Alors, ben, on va en rester là pour cette petite enquête. Merci Nathalie, et puis merci à vous de commenter, de partager et de vous abonner. Au revoir.